Tchoula. Bon allez, on y retourne. Salut à tous les gars, c'est Darks. Et bien, on se retrouve tout simplement pour la suite de notre petite aventure sur Alien Isolation. Donc, on s'était quitté la dernière fois. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai comme arme là ? On s'était quitté. Est-ce que je vais réussir à prendre les armes ? Voilà. Alors, je vais vous expliquer. Vous voyez ce que j'ai dans les mains actuellement, donc ça là, ce truc là, c'est le pistolet à clous. Donc le problème c'est que quand j'enregistrais ma précédente vidéo, Avermedia a tout simplement décidé de se couper tout seul. Bon, vous n'avez pas perdu grand chose, vous avez juste perdu en fait le moment où j'ai récupéré le pistolet à clous au fond là-bas. Au fond de cette salle, donc j'ai éliminé. Donc voilà, on s'était quitté ici à ce point de sauvegarde. Vous voyez ici, j'ai continué ici. J'ai continué ici. Après, je suis passé là, donc ici. Voilà, j'ai pris cette porte. Voilà, ici nous avions donc. Je m'étais fait tuer par cet androïde, vilain androïde. Donc j'ai dû esquiver tout simplement en me cachant ici. Le temps qu'il aille se planquer au fond là-bas. Je suis passé en douce dans cette pièce. Et dans cette pièce, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé le pistolet à clous ici, sur cette petite table. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré le pistolet à clous. J'ai attendu patiemment le monsieur l'androïde. Et je lui ai collé un clou dans la tronche, quoi. Et il est mort. Et de là, après, j'ai sauvegardé. Et c'est de là, justement, que je me suis aperçu que la Vermidia avait planté. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, j'ai été sauvegardé et je me suis arrêté. Et on se retrouve maintenant, donc, à cet endroit-ci. Mon objectif était tout simplement de déverrouiller cette porte que vous voyez à l'extérieur, là, ce grand portail là, qui est ouvert, donc, via ce PC. Chose qui est faite. Maintenant, eh ben, on va continuer. Est-ce que j'ai tout bien fouillé par contre, parce que si je peux trouver des clous, j'ai 4 clous, donc plus 1 qui est engagé dans le pistolet. Si je pourrais en trouver un peu plus, ça m'arrangerait. Surtout que j'ai plus d'autres armes. Les autres armes ont été confisquées par le jeu. Ça m'embête. Bon, ouais, on va continuer. Donc à partir de maintenant, on s'engage vraiment dans l'inconnu. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Moi et l'inconnu, c'est une affaire qui roule. Enfin. Donc à ce que j'ai vu tout à l'heure, il y avait encore deux androïdes qui tournaient dans le coin. Savoir où est-ce qu'ils sont partis. Donc ça sauvegarde, ça enregistre toujours, c'est bon, j'intéresse à surveiller parce que si pour parler dans le vent, c'est pas trop utile. Donc pistolet à clous qui apparemment a est une arme assez costaud. Voilà. Une arme très costaud même. Ça peut me sauver la vie. Enfin, ces saloperies d'Android, ça m'arrangerait. On va appeler l'ascenseur. J'aime pas trop là quand ça traîne comme ça. L'ascenseur arrive. C'est caché. C'est bon. Bon. Pas de soucis particuliers. Allez, vers le réacteur central, ok. T'es déjà allé au réacteur? Jamais fait cette visite? J'ai fait une formation dans un réacteur, mais c'était dans une autre vie. Ok. Maintenant, on va vers le réacteur, dans les choses sérieuses qui attaquent. Oula. Putain, mais qu'est-ce qui est devenu cet alien là, pur. Munition de pistolet. Ah, j'ai récupéré une munition de pistolet à clous. Ah. Est-ce que je peux faire une bombe tuyau? Toujours pas. Putain, je peux rien faire. C'est un truc de ouf. On va recharger la pompe. Hop. La lampe. Quelque chose qui est faite. Il était juste derrière.
Il remontait le couloir comme si de rien n'était. Je me suis caché, mais quand j'ai relevé la tête, il était plus là. Je crois qu'il est passé par le sol ou par le plafond. Sébastopol est un vrai gruyère, fait de conduits et de passages, de salles poussiéreuses où personne n'a mis les pieds depuis des lustres. Il pourrait être n'importe où. Ça doit être ça que les marshals ont pris en chasse. Ils auraient dû me mettre au courant. Chief, terminé. Ok. C'est sûrement parler de l'alien. J'entends un point de sauvegarde, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Oh 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 oh, oh. Qu'est-ce que c'est ça, ce magnifique petit fusil à pompe, c'est bon. Fusil à pompe. Alors fusil à pompe. Ah bah j'ai récupéré mes armes, ça y est. C'est tout bon. Fusil à pompe, balle, pistolet à clous. Je crois que ça va être mon meilleur ami. On va le garder pour l'instant. On a intérêt à bien regarder si on trouve des mumus, des munitions, une plaque d'identité. Merci. On va monter, hein. Attendez, putain, merde, ça se trouve, il était en bas le truc. Oula, laisse-moi regarder là. Non, il est en haut. Il est en haut. Allez, on monte. Ok, il est là. C'est super. Hop, je ne regarde pas autour de moi et je sauvegarde. La clou, ça se trouve, c'est juste des munitions comme ça. Voilà. Putain, c'est trop calme. Mais c'est quoi ces grands booms là? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Putain. Descendre dans la base du réacteur, ouais, ouais. Et si j'ai pas envie? Bon, voilà. On s'entend pas, hein, je vous le dis. Hein. Donc, j'ai un androïde ici, un autre au fond là-bas. Donc, je vais pouvoir me les faire au pistolet à clous. Je vais pas me faire chier. Deux pour l'instant, peut-être sûrement en avoir plus. Il m'a vu ce con. Oh bah tu peux venir, hein. De toute façon, tu. Allez, son pote qui arrive, son pote qui arrive. Bon, bah là, de toute façon, on peut pas leur échapper, hein. Putain, faut que je recharge, bordel. Bon voilà, c'est du tir au pigeon les gars. Hein. Bon, c'est la tête, faut que je vise. Merde. Allez, vite, 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 vite. Dans la merde. Ouh. Putain, j'avais pas le choix. Les fouiller, c'est con en plus. Hein. Allez, tcho! C'est bon? C'est tout? Ouais. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Par contre, il n'y a pas de point de sauvegarde, il n'y a rien.
Si je veux aller voir ici, là, est-ce que je peux y aller? Non? Ok. Pour l'instant, je ne peux pas passer par ici. C'est merveilleux. Ah, ça c'est bon. Ça. Oh là là. Oh là là. Ah, je suis sûr qu'il doit encore en avoir, mais je les vois pas là. Avant d'aller là-bas, on va faire le tour ici, voir si on trouve des munitions. Après, on ira là-bas. Forcément y avoir des munitions. Voilà. Rien du tout. Quel bordel. Bordel ici, hein, sérieux. On va passer par ici, voir si on a des murs. Non, là y'a rien. Là y'a rien. Bon, bah on va aller là. Hein. Putain, on s'entend plus là. Hein. Ouh, ça fait du bien. Quel bordel. Bon, c'est là que je vais. Bah ouais, faut croire que oui. Hein. Je suis où exactement là? Descendre dans la base, ok. Et bah descendons dans la base. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Pour une fois, vous allez me dire. L'enregistrement est bon. On en est à un quart d'heure. Il fait un peu frais. Il fait pas chaud. C'est l'hiver. Avant l'heure. Limite s'il va pas neiger. Oh là, oh non. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est pas vrai. Oh putain, c'est le nid là. Pas de l'eau. Oh là. Carburant, carburant, c'est... Oh j'aime pas quand ça y est tout ça. Alors, on va prendre le lance-flamme parce que je sens l'alien quoi. Et le lance-flamme c'est pour l'alien. Donc on va se prendre dans le slam. Oh putain, il y a le... Oh non. Oh. Ricardo, ils sont tous ici. Tous les gens qui ont disparu. Tout le monde. Ils sont coincés dans une sorte de nid. Il y a des œufs, c'est comme une ferme. Merde. Fiche le camp de là. Maintenant. Ah, fiche le camp de là, ouais. Détruire le nid. Il faut que je remonte au courant de la plateforme depuis ces conduits. Souhaitez-moi bonne chance. Ouais. C'est quoi ces bruits? Là j'entends marcher. Putain des mumus. Point de sauvegarde.
vraiment tout ce que je ne voulais pas qu'il arrive. Et bah ça. Et bah ça arrive. C'est splendide. Un bon tuyau, ouais, enfin, sur un bon tuyau. Au cas où j'ai un pépin, j'ai plus de munitions. Voilà, ça c'est fait. Ça pue. Ça pue la mort. Ça pue la mort. Ça sent mauvais. Fast Creeper, c'est comme ça que ça s'appelle, un Fast Creeper. Alors quel gaspillage de munitions. Voilà. Tuyau toujours pas. Ok, c'est splendide. Normalement je suis au bon endroit. Laisse-moi ramasser tout ce que j'ai besoin et après on ramassera tout ce que tu veux. Là. Voilà. Ah, lui va s'ouvrir. Lui, si je m'approche, il va s'ouvrir. Donc, on va éviter de les embêter. J'ai crevé. Le courant. J'arrive. Ah!
Putain, je l'ai foncé dessus. Putain, on s'est rentré dedans. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ne pas courir, ne pas courir. Putain, moi j'ai couru dessus comme un fou. J'ai cru qu'il était derrière moi. Ça fait partie de la porte. Qu'est-ce que je vais en chier là? C'est pour ça qu'ils ont donné autant. Dans un jeu, de toute façon, vous êtes sûr, hein, dès que vous avez le max de munitions qui vous est donné, vous pouvez vous attendre à quelque chose de lourd. À un boss ou quoi que ce soit. De poule. Oh, il est horrible ce jeu. C'est un enfer. C'est un enfer ce jeu. C'est vraiment un enfer. Putain, j'avais complètement oublié les faces creep. Face hugger, je crois qu'on appelle ça. Je m'en rappelle plus. Faire un petit face à face avec la reine, je suppose. Voilà, le carburant, je peux vous dire que c'est un truc ultra important. Le carburant là.
Non, putain, mais qu'est-ce qui commence à me faire chier, ce putain de massacre de merde. Putain. Ouh, ça m'énerve quand je me fais surprendre comme ça. Ils ont même cri que l'alien, on croit que c'est l'alien qui me tombe sur la gueule. En plus, on a la menace des aliens, la menace des biens. Chaud quand même. Chaud. Secours. Merde. Ce jeu, je le referai pas une autre fois. Je n'y rejouerai pas. Vous pouvez être sûr. Moi, je vais me cacher un coup. Attendre qu'il se barre gentiment mais sûrement. Attendre qu'il foute le camp. On est rendu à combien là? 30 minutes, ouais, c'est bon, on a pas le temps là.
s'il me laisse pas vivre aussi, je vais pas m'en sortir là. Là je vais pas y arriver là, s'il me laisse pas. Là-dessus, parce que là j'en peux plus. La tension est au maximum, les gars, je vous le dis. Ok, ça c'est fait. C'est vraiment le niveau le plus stressant que j'ai pu faire là.
je refasse, tu vois. J'entends rien du tout, s'il y a un alien qui se ramène dans mon dos, j'entends rien. Putain. Bon écoutez. Allez, 39 minutes. Oh, on va se quitter là-dessus les gars. On est à 40 minutes d'enregistrement. Pause, fais pause. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite de Storyworld. Allez les gars, à plus tard, salut, mon dieu.